Il y a une jeune femme ici sur TikTok qui nous explique par une photo qu'il faut avoir peur d'elle parce que son père était un proche de Léonid Brejnev. 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 Et que son père était membre du KGB. Je me déplace en même temps, vous inquiétez pas. J'aimerais rappeler à cette personne qui était son père et l'inviter à lire ce livre. Pour qu'elle sache qui est son père et à quel point elle devrait arrêter de frimer par et arrêter de frimer déjà et arrêter de nous dire père était quelqu'un de dur. Non, ton père est un criminel de guerre doublé d'un criminel contre l'humanité et un criminel contre l'URSS, la Russie tout entière et le peuple russe. Et ça, c'est le premier mot. Et que ce n'est pas bien de se vanter ça. Et qu'à chaque fois que son père lui donnait de l'argent, dessus, il y avait le sang du peuple russe. Dessus. Et troisièmement, et je vais lui citer de mémoire, je crois que c'est lui, qui l'a raconté. Gorbatchev, dernier secrétaire général du Politburo de l'URSS et premier président de la Fédération de Russie. Un jour, il reçoit un courrier. Sur ce courrier, il est marqué ceci en bas de page. Monsieur le Président, je vous remercie, car grâce à vous, aujourd'hui, nous pouvons enfin pleurer nos morts. C'est tout ce que j'ai à répondre à ça. J'ai pas mieux à dire.